Voilà. Didier Refond. Alors, on va remettre le prix de l'innovation alimentaire. Vous, ça fait bientôt 20 ans que vous êtes à la Marelle. Comment on innove en cuisine? L'innovation, c'est très simple. C'est d'avoir les yeux bien ouverts, idem pour les oreilles. Voilà, donc on rencontre des gens, des producteurs, des gens passionnés, amateurs, professionnels. Et à la rencontre de ces gens-là, on trouve des idées, tout simplement parce qu'ils font des produits remarquables, ils ont chacun leur histoire. Ils ont un parcours souvent très atypique. Et rien que les écouter, finalement, le déclic se passe. Par la suite. De ces trophées de l'innovation alimentaire, je vous laisse annoncer, chef. Donc, j'ai l'immense plaisir et le privilège d'annoncer le lauréat. Donc, le lauréat est Max Domain, la magie des épices. Max. Oui, une poignée de main quand même. Monsieur Domain, alors, quand est née votre entreprise? Comment vous est venue cette idée? Alors, il y a plusieurs dates. La première, elle remonte à mon enfance. Ma mère, qui est née à Madagascar, elle a vécu 30 ans dans ce pays. Elle est rentrée en France, elle a eu 3 garçons, moi le dernier, et on a toujours été baigné d'un environnement culinaire un peu différent, évidemment, par sa culture. Et son usage de l'épice, c'est toujours de prendre une épice brute, d'en faire une mouture dans un mortier pour une exaltation des saveurs. Et j'ai toujours trouvé ça dommage que certains pots d'épices, on m'a dit un jour que le curcuma c'était fait pour colorer, alors que c'est une épice terreuse, il y a de l'amertume, il y a véritablement du goût. Julien Guillaume, comment procédez-vous pour vous fournir justement en épices? Parce que c'est la matière première. Comment vous faites? Vous voyagez beaucoup? Alors, on voyage beaucoup, c'est un des bons côtés effectivement de ce projet, cette entreprise. On a fait un choix fort, c'était de sélectionner nous-mêmes les producteurs. Donc pour cela, on s'est rendu sur place, sélectionner les parcelles, les meilleures épices. Voilà, on peut les applaudir encore. En Europe, hein. Alors, on va vous laisser aller, messieurs, devant le photocall. Voilà, chef, accompagnez donc. Le trophée suivant, on va récompenser le produit.